Alors, continue MySQL. Après les référencements là. Ok, donc ce que l'auteur il écrit, c'est que select, parce que là on va passer une grosse partie à faire les. Alors, select, il y a trois trucs principaux. Donc, il y a. Alors. From. Et après on fait where. Mais là j'ai pas compris ce qu'il raconte là. Ok. Ok. Donc si je comprends bien, alors on va prendre une table. Je vais dessiner à la main là. Ok. Alors, si on a une table comme ça, alors, si on fait select from donc cette table-là et where. On peut par exemple avoir que cette ligne là ou cette ligne là. Okay. Si on fait select from. Donc la première s'appelle une restriction. Ça c'est une restriction. Et maintenant on va voir c'est quoi une projection. Alors du coup on fait toujours select where. Et du coup on veut pas, on veut c'est on veut ces lignes là et ces lignes là, donc ça c'est une projection, restriction, projection, et du coup et une jointure, donc ce serait par rapport à une troisième table. La jointure, ça permet d'extraire des données de différentes tables en reliant deux à deux. Donc, ça, on verra après. Donc ça, on verra tout ça en détail après. On va voir déjà la première utilisation de select avec ce qu'on appelle une pseudo-table. Alors, je me suis trompé. Alors, select. Et voilà, Hello World. Donc là, il n'y a pas de table, pas de base de données. Et il va afficher la table. Ok. Ouais, apparemment, on peut faire plein de trucs avec. Select. SysDate. Donc voilà, on a la date d'aujourd'hui. On peut même nommer la colonne.
Voilà, je l'ai nommé today, voilà, on a la date d'aujourd'hui, l'heure. On peut même faire des calculs. Avec plusieurs éléments. Alors, power, c'est 2 puissance 14. 2 14, donc ça c'est une fonction. Donc ça, ça va afficher une colonne. Power. Où il est allé chercher ce calcul? Je sais pas le virgule 2 sert à quoi là. Je sais pas. Bon. Du coup, on va l'appeler environ la colonne. Et on voudrait la valeur d'exponentielle 1. Alors, il y a une erreur dans la syntaxe. Avec Bibox Smart TV, profitez d'un téléviseur Samsung. Ouais, c'est ça. Ok. Une parenthèse. Minecraft Dungeons Hero Edition contient le jeu et deux DLC complets. Ah ouais. Bon. N'importe quoi là. Là, il manque la parenthèse. Vous dites. Mais la confidentialité en ligne, ce n'est pas pour virer cette parenthèse là, et voilà. Bon, voilà, pour faire des calculs avec Select, mais bon, un an verra avec les tableaux.